Mesdames et messieurs, nous sommes à l'Observatoire de Cergy. Il est tout content parce que il a rempli ce soir. Blindé, qui l'eût cru? Ça fait plaisir hein, pour un démarrage de tournée. Ça fait toujours plaisant de voir que le public est au rendez-vous, franchement. Est-ce que, alors, j'ai l'air de voir que tu étais tout étonné que tu remplisses ce soir, comme quoi hein. Toujours étonné qu'on remplisse. Hein. C'est toujours plaisant de savoir qu'on joue à guichet fermé, et de savoir que c'est un concert attendu, parce que moi, chaque rencontre, que je l'attends beaucoup. J'ai toujours hâte et plaisir de voir que c'est une hâte partagée. On peut le dire, Izzy, c'est un peu la préparation de ton Olympia. Ça serait sympa que tu nous dises aussi la date, le lieu pour l'Olympia. C'est un peu une avant-première de l'Olympia ce soir. C'est plutôt le début de la tournée qui aura comme apothéose l'Olympia, qui sera le 7 mai 2014, effectivement. Donc c'est une tournée qui est avant tout là pour défendre le deuxième album, mais aussi on va bien évidemment visiter le premier et tous les autres titres satellites, comme je dis. Et donc voilà, c'est à Cergy on commence, ça fait plaisir de commencer pas loin de la capitale et puis de pouvoir rencontrer ce public qu'on n'a pas souvent l'habitude de rencontrer. Et donc voilà, c'est aussi une bonne mise en jambe pour toute la suite du tour. Ou quoi pensez-vous qu'on peut remplir l'Olympia ou pas? On l'espère, en tout cas on travaille pour on et puis on espère que le public qui nous suit depuis le début sera là au rendez-vous et en tout cas je commence à de moins en moins s'en douter mais effectivement. Ce soir tu remplis l'Observatoire de Cergy, comment tu es? On est en forme, ça va? On est un peu dans tes loges là, des loges très cool je constate, c'est chips, c'est oranges, c'est tout, cool, tu demandes pas beaucoup toi dans l'histoire? Non, moi je demande pas grand chose, je demande beaucoup de bonbons en général, des fruits et puis je bois pas d'alcool donc il n'y a pas souvent d'alcool. Qu'est-ce qui va se passer ce soir? Eh bien, ce soir, on va, donc, comme je disais, promotionner le nouvel album, mais aussi comme c'est une journée spéciale Saint-Valentin, on a prévu une petite partie du répertoire, comme on dit, Lover's Time. Donc je suis Jean-Paul Jandon, maire de Cergy. Ouais. La présence est simple. Cergy Caraïbes organise 4 grands spectacles sur Cergy dans l'année. Mmh. Il était normal de les accompagner et de faire que toute la musique des Caraïbes soit représentée sur Cergy et que la ville de Cergy accompagne cette association et diffuse cette musique. Dominique Lefebvre, je suis député du Val d'Oise, j'ai été 17 ans maire de Cergy. Je suis là ce soir d'abord pour soutenir mes amis de Cergy Caraïbes, ce sont des citoyens de Cergy, notamment Blandine et Pierre, qui passent beaucoup de temps pour organiser la vie sociale dans leur quartier, au Verger Genotte, mais également dans toute la ville, et notamment organiser ces manifestations de concert. Vous savez, on est une ville à la fois très jeune, avec la moitié de la population qui a moins de 30 ans, on est une ville de toutes les cultures et de la diversité, et pour moi, le député de la République que je suis a un maître mot dans sa vie politique, c'est l'égalité et la citoyenneté, et vraiment avec Cergy Caraïbes, c'est cela qui se passe à travers la culture et ces moments de rassemblement qui à la fois nous permettent d'écouter de la musique mais permettent aussi et surtout aux gens d'être ensemble et donc c'est la ville telle qu'on l'aime. Izzy Kenenga, fraîcheur, c'est vraiment agréable, c'est du velours pour les oreilles, une belle voix, belle mélodie, il a des textes, ça va d'un thème à l'autre et beaucoup de gens s'y retrouvent dedans et moi je respecte beaucoup, j'aime beaucoup cet artiste, il est déjà venu 2-3 fois dans mon émission et à chaque fois c'est un pur plaisir de le recevoir et ce soir je vois que les gens sont venus en masse même il pour blindé. Ça blindé. Iniquet, Ché, ouais, en l'eau, Gaba en l'eau et pli manga joué et pli hormis partie musicale là, c'est qu'a dit, est-ce qu'on peut dire ça? Ouais. Côté texte là, ces textes là profonds quoi.
Il y a aucun palais. Il est sincère en fait. J'espère pour lui, je crois bien. Ouais, je crois même très 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 sincère. Tu as cette chance de le voir en répétition. C'est pas le mec qui se fâche. C'est pas Bouka. Il est méticuleux, il m'en est. Oui. Il est très méticuleux. C'est ce qu'il veut. Et il est aussi ouvert des fois à des propositions, tout ça quoi. D'accord. Voilà, quoi. Il se fâche parfois ou pas, c'est Bouka? J'ai jamais vu se fâcher. J'ai jamais vu il se fâcher. Yolo, et si comment on est avant de monter sur scène? Le cœur bat très vite, j'ai un peu peur. Non, t'as pas peur, t'as rempli ce soir. Ouais, c'est pas une... Justement, encore plus peur. Ah ouais? Non, c'est normal, ça bat un peu fort et puis... D'ici tu es vraiment... Et ça va aller. Tu penses à quoi avant de monter sur scène? Le pays, les parents, le... Mais au public qui s'est déplacé et qui... Surtout qui s'intéresse à mon travail. Donc je me dois de le présenter de la meilleure façon, peu importe... Les sentiments, les petites peurs, le trac, il faut réussir à faire quand même. Faut pas prendre la prière avant, mais non. Oui, avec l'équipe et puis tout seul, c'est intérieur. Ok, donc, voilà. Merci à vous. Est-ce que vous êtes chaud? L'artiste qui va arriver, déjà on va accueillir les musiciens, ils vont tranquillement s'installer. Eux qui attrapent Pomp, on va les appeler comme ça ce soir. Les musiciens, veuillez les accueillir chaleureusement s'il vous plaît. L'artiste qui arrive, j'ai eu l'honneur et le plaisir de le recevoir au moins deux fois dans mon émission particulière. Est-ce qu'il y a des princesses dans la place? Allez, on passe direct à l'artiste qui est chaud, chaud, chaud. Est-ce que vous êtes prêts à accueillir Monsieur Easy Canal? Également avec nous Pierre qui fait partie de l'organisation, sinon Sergi Caraïbes. On peut le dire, un grand succès ce soir. Easy Kenenga remplit là. C'est extraordinaire. Qui l'aurait cru? Ouais. Franchement. Vous y attendiez un peu ou pas? Franchement, au départ, je vais dire franchement, quand Cyril il nous a proposé la date, bon, on a dit oui parce qu'on sait que Cyril, ouais. Quand il propose quelque chose, bon, c'est pas. Voilà. Et puis on s'est dit, est-ce qu'il va remplir l'observatoire? Ouais. Et puis on a été sur Internet, Bercy,
l'Olympia. Mm-hmm. Il est redemandé encore à l'Olympia. Il fait ses tournées. On a dit, mais non. En plus, au prix qu'on donne, tu vois, avec Ezeki Nanga. Tu as travaillé avec l'artiste, répétition, backstage. Comment est-il, Ezeki Nanga? Comme on dit, easy. Tu sais, easy, chez les Jamaïcains, ça veut dire cool. Quoi? Ça veut dire tranquille. Eh bien, voilà, quoi. Il porte le nom bien, quoi. Il est easy, il est tranquille. Pas, c'est no stress, quoi, tu vois. Ah ouais, il m'a mis à l'aise. Franchement, moi, t'as vu comment moi, je suis timide. Ouais. Le gars, il m'a mis à l'aise, quoi, tu vois. Donc, on a pu échanger certaines choses. Bon, voilà, qui est privé aux Jaconettes. Et puis, voilà, ça tu franchement... Tu veux parler de Sergi Caraïbe, puis au sort de Guédi. Quand que dit Sergi Caraïbe, bon, franchement, je suis content que nous sommes là. Bon, on a... C'est à chaque année, hein, tu sais, on gravit les étapes, quoi, tu vois. Oui. Vous attendiez vraiment à ce succès ou pas? Ezeki Nanga a rempli l'observatoire de Sergi ce soir? Ezeki commence à être une valeur sûre de la musique antillaise et ça va se concrétiser d'ailleurs à l'Olympia le 7 mai prochain. Donc là, c'était une belle date pour préparer justement une tournée qui aura. Où il y aura Paris, il y aura Bordeaux, Montpellier, Toulouse. Donc on prépare ça pour mai en fait. Donc vous allez là, un peu sur scène, ça y est, il est mieux, il est fin prêt. J'ai connu Ezeki Nanga en levé de rideau. Là, oui. C'est fini, là. Oui, au levé de rideau d'Akio, ouais. D'Admiralty. Si, ouais. C'était il y a 5 ans, quand même. Hein. Ouais, ouais. Là, c'est ouais. Il est mûr. Ah, ça fait un petit moment, quand même. Il a fait la cigale complète, la Bellevilloise, le numéro en ligne deux fois complet, à un mois d'intervalle. Non, et puis, sans compter toutes les dates qu'on a faites à l'Atrium, la Casa, enfin, voilà. Quoi. Qui ne comprend pas le créole si ce soir le bien-aimé? Ok, cette chanson s'appelle Papel, ça veut dire n'ayez pas peur. On va vous présenter, mesdames et messieurs, Blandine, présidente, alors tu es présidente de l'association Sergi Caraïbe? Oui, c'est ça, Jean-François, présidente de l'association Sergi Caraïbe. Tu sais déjà, t'es déjà venu nous interviewer. Donc, merci à toi d'être là encore ce soir. Après Saïk et Yannis Soudoua, ce soir, c'est Easy, Yemense Ronega. Ben écoute, hein, comme d'habitude, la salle, elle était blindée. On est contents, franchement, une belle soirée. Vraiment, c'était super. Vous vous attendiez un peu à ce succès, on peut le dire, d'Ezeki Nanga du côté de l'Observatoire de Sergi? Écoute, oui, hein, parce qu'on sait que, bon, Ezeki, en ce moment, ça marche très, très bien pour lui. Là, il est en pleine tournée. Mais c'est vrai que, bon, tu sais, avec des artistes, tu as toujours une appréhension, tu sais jamais. Et c'est vrai que là, bon, on était concert complet. Vraiment, c'était un vrai succès.
On va vous présenter, mesdames et messieurs, un des plus grands de nos artistes, Reggae Dancehall, monsieur Daddy Mori. Qu'en fait ça va, ça va, on est là, merci beaucoup. Ça va, ça va, on fait là. On est là, j'étais voir Easy Kananga, j'étais voir Ronega, j'étais voir Yemansi. Ouais. Yeah, et tu en penses quoi? J'en pense du bien. Ouais. Sinon, je ne serais pas là. Vous devriez parler d'Easy Kananga. Tu l'as vu arriver dans la chose, Daddy, ou... Oui, j'aime. Lyricalement, c'est un bon artiste, il donne des bonnes vibes. C'est très acoustique. C'est peut-être pas digital, c'est pas un son pour bouger, tout ça, mais c'est un son très cérébral. C'est sa marque. Oui, c'est sa marque. C'est lui qui design en fait les t-shirts. C'est lui qui a créé son logo et qui crée en fait tous les dérivés d'Easy Kananga. Donc il y a des t-shirts, il y a des casquettes. Qu'est-ce qu'il y a encore? Des pulls pour enfants, il y a des pullovers aussi pour les adultes. Enfin bon, il y a toute une gamme. Il a un site internet, akashop.fr, où on peut retrouver en fait tous ses articles. Vous auriez à parler d'Easy Kananga, vous diriez quoi? Vous êtes une fan aussi dans l'histoire. Je suis une fan, mais aussi une proche, puisque je travaille avec lui, avec l'association Jaïr. D'accord. Pour décrire Izzy, je vais dire que c'est quelqu'un... On se connaît depuis longtemps, oui. On rappelle de toi. Oui, 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 oui. C'est quelqu'un qui est rempli d'amour. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Enfin, sur la scène, comme en vrai, il est authentique. Et je crois que c'est ce qu'on aime chez lui. Ouais. Vos lunettes aussi font partie de la marque d'Izzy Kananga? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais je pense qu'il approuve. Vous faites la chorégraphie, là. Ah voilà, bon, il est assez sympa. Hein. Tu aurais parlé d'Easy Kananga, tu dirais quoi? Je dirais que c'est un mec génial, simple et qui est motivé par ce qu'il fait. Il aime ce qu'il fait, distribuer de l'amour, rendre les choses positives, nous motiver par sa musique en fait. Les gens achètent beaucoup les produits d'Easy Kananga? Oui, oui, bien sûr. Ben oui. C'est sûr, pour le plus. Ce soir, c'est les CD. Ah ouais, ce d'accord. Soir, les CD. Ouais. Okay. Et toi, tu as eu à parler d'Easy Kananga? Bah, moi, en fait, je viens de le découvrir, donc voilà. Mais c'est vrai que c'est un artiste qui fait des textes assez, assez pertinents, donc oui, je valide. Easy Kananga, mesdames et messieurs, il vient de finir son spectacle. Easy, un petit bilan. Tu as mis le feu, Easy, ce soir. Tout le monde a parlé d'ici sur les différents réseaux. On a chanté comme si on ne nous écoutait pas. Donc j'ai passé un excellent moment. Une très très bonne Saint-Valentin, même s'il y en a qui sont pas sur ça. Ouais. Mais moi j'ai passé un bon moment, rempli d'amour. Donc, merci à tous ceux qui ont fait le déplacement, merci à Serge Carré, merci à l'Observatoire. Merci à mes musiciens, tout le monde, merci à tous les médias qui ont fait le déplacement, qui nous permettent d'emmener le message encore plus loin. On compte sur vous pour le prochain. À Paris, ça se passe le 7 mai 2014, à l'Olympia. Tu es prêt pour l'Olympia, là? Je parle avec ton responsable. Ouais, ou tu es prêt, là? Non, tu... non. Moustaphe, venez, nous allons présenter sur le moment là, Moustaphe, le frère d'Easy Kananga. Et voilà, les deux. Maman va voir ça en Martinique, puisque ça sera diffusé en Martinique, Guadeloupe, Guyane, Canal 10. Alors, maman est fière de vous, bah. Je pense. Ouais, enfin, j'espère. Peut, ouais. Ouais. On peut le dire, on peut le dire. Elle nous l'a dit déjà. Oui, c'est et vous êtes à 4 quand même sur scène, c'est pas une grosse formation dans l'histoire? Non, mais c'est une formation qui est intéressante, qui justement nous permet... Qui est pas chère non plus?
Au-delà des finances, c'est vrai que c'est pas cher. Donc on peut réussir à faire des concerts avec la petite formule, mais c'est aussi intéressant pour nous pour essayer de nouvelles choses. C'est une autre approche effectivement, puisque là on est plus dans la communication avec le public. C'est pas la grosse machine qui arrive. C'est plus ok, il faut communiquer. Cool. Et pour moi, c'est si on peut parler de préparation, c'est une très bonne préparation. Moustapha, tu joues d'un instrument un peu bizarre, c'est quoi? C'est Tirmaïk qui t'a joué ça, les tibas, ting, ting, ting. Oui, je joue du xylophone. C'est quoi? C'est un vrai c'est un xylophone, ouais. Ah ouais. C'est un petit xylophone, mais qui apporte. En dernière question, donc, on est prêt pour l'Olympia, donc ça va être un grand moment quand même, ici. Oui, enfin, on va tout faire pour. Ça va être en bonne voie. C'est en bonne voie. Et on prépare ça bien. Il y a peut-être des petites surprises qui vont venir pour l'Olympia. Ah ben, surprise. Voilà. Dernière indication, quand vous avez terminé un spectacle comme celui-ci, par exemple, Izzy, tu vas faire quoi? Tu rentres chez toi, te reposer, tu vas voir... Là, il faut, comme on dit, il y a un feu qui est allumé, il faut le laisser le temps de cette scène. Donc, là, on descend pendant 20 minutes en général, et après, il y a les choses avec les courageux qui sont restés après le concert, je vais les rencontrer. Ça me fait toujours plaisir de rencontrer. Tu vas la rencontrer des fans? Mais quand il y a les tenaces qui restent, parce que c'est vrai que voilà, on est... En backstage, donc il y a des rencontres à faire avec les médias, avec le temps de rester avec l'équipe, avec tout le monde quand même pour commencer déjà à débriefer sur le concert et ensuite quand même partager un petit peu avec ceux qui sont venus, ceux qui ont fait le déplacement pour nous. Moustapha, Izzy Guelenga, le concert 20 sur 20, dernière question ce soir, c'était bon, 20 sur 20 ben, oui, je vais dire 18 sur 20, entre nous. Okay, mais sinon, c'est vraiment 18 abusé, et demi. Donc j'espère que le public a pris autant de plaisir que nous. Quoi. Merci. Donc, voilà. Bel applaudissement. Merci, les gars. Chahelan, mon bâton. Merci, Izzy. Allons-y pour la photo rapide. On va vous présenter Valentine qui bosse en plus avec Izzy. Tu as eu à parler de l'artiste et puis un petit bilan pour ce concert de ce soir, Valentine. Super concert ce soir, une bonne préparation pour l'Olympia. C'est vraiment le tout début de la tournée là qu'on commence et il y a plein de dates à suivre encore. Ouais. Et voilà, je pense que le public est assez content de ce qu'il a vu ce soir. Tu as bougé avec lui en Martinique, tu bouges un peu avec lui. Un peu partout. Tu as eu à parler de lui, comment est-il? Un artiste cool, vraiment comme son nom l'indique, Izzy. Il est tout à fait, il est vraiment easy, il est super sympa dans la vie, très facile à vivre. Voilà, toujours de bonne humeur, toujours positif, comme le reflet de ses textes. C'est un vrai plaisir de travailler avec lui. Ouais, tu gardes quoi comme souvenir de cette prestation, sinon de ce show de ce soir? J'ai adoré, surtout comme si... Tu es fan toi en fait dans Je suis fan, ouais, complètement. Ouais. J'adore ce qu'il fait parce que je trouve que c'est vraiment quelqu'un qui se donne à fond, qui véhicule que des messages positifs et sa musique est super sympa, elle est prenante, quoi. On est obligé de suivre le mouvement, donc voilà. Tu es heureuse, hein? Très heureuse. Tu aimes Izzy, c'est-à-dire c'est, tu es une passionnée, tu es une fan, tu es... Oui, je suis fan avant tout, mais voilà, c'est aussi que j'aime c'est la personne, bon. J'aime travailler avec lui et j'aime mon métier aussi tout court. J'aime travailler dans la musique auprès des artistes. C'est attaché de presse et co-manager aussi, parce que je gère quelques dates pour lui et voilà, quelques contrats publicitaires par exemple. Quelqu'un qui ne se fâche quasiment pas, Izzy, toujours. Jamais. C'est pas beaucoup fâché. Franchement, non. Il est super agréable, très sympa. D'accord. Il répond au téléphone quand le téléphone sonne. Oui. Il n'a pas la grosse tête, quoi. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes qu'on les appelle, ils ne répondent plus. Complètement. Non, lui, ce n'est pas le cas. En fait, il ne réalise même pas encore tout à fait l'impact qu'il a sur les gens. À chaque fois, il est étonné quand il voit que ses albums se vendent bien, que les concerts sont complets comme ce soir, comme l'Olympia qui est déjà rempli à moitié alors que c'est que dans quelques mois. Donc non, il est très très humble et voilà. Tu lui dirais quoi, celui qui regarde cette vidéo? Je dirais bravo, continue comme ça et voilà, 2014, c'est ton année, c'est la grosse tournée, c'est l'Olympia, c'est la consécration.
Oui, c'est pas la guerre. Ah, le latin, c'est pas.